enfants, merci, puisque maintenant, grâce à vous, je vais pouvoir faire le plan de table. Chacun pourra s'installer comme il le veut, veut. Oui, grâce à vous, merci. Je vais enfin pouvoir chanter dans mon nouveau costume. Oh, mes amis, c'est formidable, formidable. Sylvaine vient de me dire que tous les plats étaient prêts. Noël va pouvoir se passer comme d'habitude. Oh, mes amis, René est parti chercher le sapin. Il ne manque plus que les cadeaux pour finaliser cette soirée. Oh, Adelbard, vous qui êtes en charge des cadeaux, allez donc nous les chercher. Je sais pas où ils sont, moi, les cadeaux. La liste de répartition était dans les parchemins que Martin a brûlés. Oh, c'est pas grave. Allez les chercher, et puis nous réussirons bien à refaire la répartition. Allez les chercher, vous êtes mignons. Moi, je les ai mis dans une pièce, je me rappelle plus où. Hein. Oh, c'est une catastrophe. C'est pas grave, on va aller chercher les cadeaux. Chacun de son côté, on cherche et on les trouve. Cherchons, les amis. Cherchons. Adelbert, comment allez-vous faire? La salle est dans un capharnaüm, pas possible! Oui, mais c'est pas de ma faute, moi! Mais il faut absolument retrouver les cadeaux, Adelbert! Les cadeaux, Adelbert! Les cadeaux, Adelbert! Ah oui, j'ai compris, mais les cadeaux, moi, je sais pas qui a commandé quoi, comment voulez-vous que je sache? Ah, je ne sais pas! Débrouillez-vous, Adelbert! Sylvaine m'a dit que le repas était prêt! Il faut vous dépêcher! Trouvez une solution! Ah, mais vous êtes mignons, vous! Oh, les enfants, est-ce que vous pouvez m'aider? Nous avons très peu de temps et moi, je ne sais pas qui a commandé quoi. Ce que je vous propose, c'est d'écouter la commande de chaque personnage et d'essayer de retrouver dans cette salle où est caché leur cadeau. Vous avez 7 secondes pour le faire. C'est court, mais je compte sur vous. Allez, bon courage! Moi, j'ai un peu honte, mais je crois que si j'abîme les oreilles de tout le monde, c'est parce qu'il manque des cordes à mon psaltérion. Alors, si je pouvais avoir un nouveau, ça ferait du bien à tout le monde. Ah ouais, c'est super! Merci beaucoup! Oh, alors moi, j'ose espérer recevoir à ce Noël un chapeau. Un chapeau rouge de préférence qui me permettrait de cacher ma calvitie naissante. Oh, il est formidable. Oh, il est formidable. Comme je l'imaginais, je pense qu'il va m'aller à ravir. C'est formidable, les enfants. Oh, merci beaucoup. Alors, moi, pour Noël, je commande un collier. Un collier en argent avec une petite chaîne et un petit symbole ici, afin de représenter que je suis chambellan. Oh, merci les enfants, merci. Oh, maintenant, ma fonction est définie. Moi, les enfants, j'aimerais bien avoir un nouveau balai. Enfin, un balai tout court, car j'en ai marre de ramasser la poussière à la main. Merci les enfants.
Grâce à vous, je vais être encore plus rapide et fini les remarques misogynes de ce vieux Martin. Alors moi, j'ai commandé un joli coffre à bijoux. Vous savez, un petit coffre en bois avec des dorures en métal. Oh, ce sera parfait pour ranger tous mes bijoux. Oh, c'est merveilleux, merci beaucoup. Il est beaucoup plus grand et imposant que ce que j'espérais. Merci, merci beaucoup. Alors moi, pour ce Noël, je voudrais une nouvelle épée, puisque, soyons tout à fait honnêtes, voilà, celle-ci est un petit peu ridicule. Je compte sur vous. Ah bien voilà, là ça ressemble un peu plus à quelque chose. Attention à vous, hein. Je ne rigole plus. Pardon. Alors moi je commande un livre. Alors je sais pas lire, mais je suis seigneur, alors il faut bien que je donne l'impression de savoir faire des choses. Ah bah merci les enfants. Ah bah ça c'est chouette. Ah je suis ravi. Il me reste plus qu'à prendre des cours de lecture. Vous savez ce qui me ferait plaisir à moi, les enfants? Ce serait un nouveau tablier. Ce n'est pas que j'aime pas le mien, mais ça fait quand même déjà 15 ans que je l'ai et il est déjà tout taché. Oh, bah ça alors! Oh, pour une surprise, c'est une surprise, hein. Je suis reparti pour 15 ans avec ça. Merci beaucoup! Ben voilà, grâce à vous les enfants, on va pouvoir faire la fête de Noël avec nos cadeaux tous les mois. Oh oui, c'est merveilleux et c'est grâce à vous, alors merci beaucoup. En effet, le réveillon a pu être sauvé et ce malgré les facéties de notre fils, Martin. En tout cas, la table a pu être magnifiquement dressée. Chacun est à la bonne place. Nous avons pu mettre nos beaux habits et surtout, nous avons nos cadeaux. Et enfin, Marie, le plus beau cadeau n'est-il pas d'être tous réunis ici aujourd'hui? Pardon, c'est vrai. Vous avez toujours le bon mot, mon très cher canard. Oh, d'ailleurs, en parlant de présents, il y a quelque chose qui me ferait extrêmement plaisir pour les fêtes. C'est sûr, mon dindon. C'est vrai, un petit sourire pour Noël. Vous êtes sûr, mon dindon? Ah oui. Montrez que vous êtes heureux. C'est merveilleux, vous pouvez arrêter. C'était parfait. Ah oui. Comme vous pouvez le voir, René et moi avons hâte de réouvrir les portes et de pouvoir vous accueillir de nouveau. Mais d'ici là, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Ah oui, oui, oui. Un joyeux Noël. Allez-y. Oui, tout le monde. Vous avec l'énergie, bien entendu. Oui. Et puis, bah, il ne reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël.